très bien ça. Alors, ouais, y en a des choses à faire là. Tiens, je vais me retéléporter par ici. Selon la suggestion de Selark, on va aller faire un tour près des poissons lune. Soreja, mukaimasuka. Otto, daijoubu deshou ka? Il est en train de buller. Salut Chi, j'ai vu que Is Monstrum Nux était en promo, tu me le conseilles? Bah si tu peux avoir le 8 et que tu l'as pas fait, je te dirais plutôt le 8. Sinon oui oui. Bon, pas de requin en vue. Peut-être pas pour maintenant. Allez, je poursuis. Saitan route de mukaimashou. さあ、飛ばしていこう。 Bah oui, on va y aller. Mais avant ça, la bagarre. Je sais pas ce que c'est en lui, hein. Comment ? みんな。いや、子供が前に立って戦うのは。
J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes sur ces points de flotte là. Ou alors c'est par rapport plutôt à la région. Il y en a un différent par région. Non, c'est encore même. C'est un tonique ça. T'as toujours eu des tons. Pose-toi des questions, mec. Hein. Alors, quelle est cette île? Atoll de Sprout. Ok. C'était quoi cette créature? On aurait dit un picard. J'en ai jamais vu avec un pelage tout blanc. Une nouvelle espèce? Ce serait étonnant. Cinq petites boules de poils se sont échappées sur l'île. Pourrais-tu t'en occuper? Il te suffit de les trouver. Adol, tu vas bien? Hein? Adol raconte à Karja qu'une personne semble attendre le retour des Picards. Il y en a cinq cachés sur l'île et il faut simplement les trouver. Quelle mouche t'a piqué? C'est pas comme si on s'était jamais occupé des Picards. Comment tu sais qu'il y en a 5? Et qui c'est qui les attend? Adol ne sait pas comment l'expliquer. Mais elle en est convaincue, tout simplement. T'as l'air sérieux comme tout. Bon, j'ai pigé. En fait, non, j'y pige que dalle. Mais si t'en es convaincu, alors je t'accompagne. Merci, Karja. Pas besoin de me remercier. Bref, on va trouver ces boules de poils. Alors, avant ça, j'avais une compétence de masteriser. Bah, celle-ci, je la garde, évidemment. L'ascension intense. Plutôt ça. Comme ça, je garde l'autre. Ah oui, c'est un grand fan de Is apparemment. Eden, ça commence bien. Et un de plus, on a le vent en poupe. Alors, qu'est-ce qu'il vend? Bah tiens, des tenues. Mais voyons avec le troc. Non, on va garder. Cheveux de bretteur sombre. C'est peut-être extrêmement stylé. Ça j'ai déjà, je crois. Voyons voir ces nouvelles tenues. C'est pas mal. Ah oui, d'accord. Et elle, ça dit quoi? Au lieu de...
Ouais. J'en ai pas un sans le casque là. C'est l'avatar corbeau. Tenez, princesse pirate, c'est celui-là. Bien de la pêche aussi, j'aurais dû voir. J'ai un alarme. Pas de nouveaux poissons. C'est pas grave, on essaye quand même. Ça me paraît un peu loin, à mon avis il faut sauter par là, non? Ou par là-bas. Je peux tenter un truc. Qu'est-ce que tu fabriques ici, toi? On t'embarque? Ouais, c'est plus par là. Peut-être qu'ils m'en font un paquet de ça. Lucien. Et plus qu'un trésor, plus un point de TP. Et je sens qu'il va se passer autre chose ici. Monte là. Ah bah tiens. マナーを使えば何か見えてきそうだ。見つけた。 Moi, Ivar, os de dragon, grave ses lignes. Rollo des mers sanglantes portait bien son nom. Il était connu pour avoir arraché l'oreille de sa nourrice peu après sa naissance. À seulement 10 ans, il tua froidement un homme qui avait dit du mal de sa mère. Il m'a d'ailleurs demandé pourquoi personne ne l'en félicitait, affichant une expression étrange. Pourtant, fils du chef, ses larcins et incendies volontaires ont poussé l'assemblée à le juger comme les autres. Il avait participé à des expéditions de pillage avant même d'atteindre sa majorité. N'importe qui d'autre aurait connu la peine de mort, mais lui continuait de se battre et de tuer. En le manipulant avec ruse et finesse, il était cependant possible de l'utiliser. C'est pourquoi j'en ai fait un compagnon d'armes. Et voilà que ce rouleau des mers sanglantes se rebelle contre moi.
Il y a bien trop de raisons qui pourraient expliquer cette situation, et y réfléchir ne mènerait nulle part. Il n'y a plus qu'une seule issue, nous battre, jusqu'à ce que mort s'en suive. Je l'enverrai au Valhalla, et Ar m'en remerciera. Il a juste un problème de gestion de la colère. Ça doit être ça. Et voilà le dernier. On les a tous attrapés. Il y avait vraiment 5 picards blancs. Pile comme je l'avais dit. C'est bon, t'emballe pas non plus. Bon, on en fait quoi maintenant? Il suffisait juste de les retrouver, non? Ça t'inquiète pas? S'il se passe rien, on va être obligé de les prendre sur le Sandras. Adol, sois le bienvenu. Ils ont l'air en pleine forme, je suis soulagé. Vous avez l'air en forme. Vous avez disparu sans crier gare. Je me suis fait un sort d'encre. Cette île devient instable. Elle se relie à ta dimension de manière inattendue. Ces pauvres petits ont dû s'y retrouver par accident. Je te remercie de m'avoir aidé, Adol. Je vous en prie. Tu m'as vraiment sorti une épine du pied. Je parie que tu n'as jamais vu de picard blanc. Il n'était pas si rare avant. Il existait toutes sortes de picards. Il y en avait même au pelage arc-en-ciel. Pourquoi n'en trouve-t-on qu'ici? C'est une longue histoire. Une très longue histoire. À l'époque, tout le monde pouvait accéder à cette île. Il suffisait d'avoir le cœur pur, tout comme sa faune. Mais rien n'est éternel, tout a une fin. J'espère que ces petits bouts pourront retourner dans leur dimension un jour. Mais ce jour n'est pas encore arrivé. Ah, tu dois déjà repartir. Ta visite était de courte durée cette fois. À plus tard, Adol. Ça va, Adol? Tu rêvasses encore la bouche ouverte? Faut qu'on prenne une décision pour ces picards. Hein? Ils sont passés où? Ils étaient juste là, ils ont encore pris la poudre des scampettes? Je suis persuadé qu'ils vont bien. Comment ça? Je suis complètement largué. T'as l'air serein, alors j'imagine que j'ai pas à m'inquiéter. Mais je te cache pas que je suis perplexe. Bref, oublie, on s'arrache d'ici. Cool. Ouais, je l'ai eu le picard énergétique. Le vieux Céodin? Je pense pas. Je pense que c'est Thorsten. Mais on verra. Attends, pourquoi il y a un truc? Ah oui, c'est la pierre. Ouais. Attends, respawn les tours? Oh non, c'est nul! Je veux juste dévoiler le bout là. Pour toujours plus de loot? Ouais, mais est-ce qu'elles sont intéressantes, ces fameuses tours? Tu
Allez, tire mon gars. Ouais, ça va. Ça en vaut quand même la peine. Qu'est-ce qu'il fiche ici, ce bateau Grigor? S'il a talonné le haut fond, on peut l'attaquer par surprise. Attaquons-le immédiatement. Bien dit, tout le monde en position. Hé, le prisonnier, ça veut dire quoi ça? On suit tes conseils et voilà qu'on touche le haut fond? Je vous prie de m'excuser, ce n'était pas mon intention. Mais si vous continuez par là, vous finirez par trouver les manières de Mana. Tu te moques encore de nous? Ouais, on te croit pas, tu nous en as fait assez voir. C'est pourtant la vérité, regardez. Les manières de Mana passent à l'attaque. Tu nous as tendu un piège. Je sais pas ce qui se passe ici, mais ça m'intéresse. Et dont cet homme? Je te remercie, Moussaillon. Adol, sors ton arme. T'inquiète. Vous avez collé une belle rouste à ces fichus immortels. J'ai bien fait de parier sur vous. C'est qui d'abord? De la chance, je suis pas sûr. Hein. Dis-nous plutôt ce que tu trafiques sur un bateau Grigor, surtout en bonne santé. Je croyais que tous les habitants de Karnak avaient été transformés en Grigors. Un peu de flatterie par-ci, un petit mensonge par-là, et le tour était joué. Je leur ai dit que je savais où trouver d'autres humains. C'est quoi que je vois là? Des menottes, t'es un prisonnier? Quel discernement. Je me suis échappé de prison alors qu'on me transférait de Romunagal. À quoi? Glia? Ouais, c'est deux ailes? Le reste, c'est personnel. Ce bateau va bientôt couler, tu comptes faire quoi? Vous n'êtes pas du genre à abandonner les autres, si? Retournons ensemble sur le Sandras. Pas le choix. Viens avec nous et tombe pas à la flotte. J'essaierai. Merci à vous deux de m'avoir sauvé. Pour info, je te fais pas du tout confiance. Tiens-toi à carreau, tu finiras au poisson. Ça me va. Je suis plutôt touche à tout, alors je peux aider aux corvées. Merci de m'intégrer à votre équipage, Moussaï. Tant que tu touches pas aux gens. Alors, un nouveau bonhomme. D'accord. Ah oui, ça c'est pas mal. Ça augmente les dégâts des compétences. Mais ça demande plus de PC. Mais tu fais tellement plus mal que voilà, si tu gères bien tes combos, ça roule comme sur des roulettes. Ça, je passe.
Alors, où est-ce qu'on va? On va à droite, je pense. Clac, clac. Bah ouais, on continue. Hein. Ça se passe bien sur cette carte pour le moment. Elle va un peu vite, celle-là, d'ailleurs. Pour le moment. Pas dit que ça dure. Hein. Impossible de trouver ton requin, là. J'ai fouillé la zone précédente de fond en comble, puisqu'elle a l'air d'être dans la zone précédente. Mais... pas trouvé. Il y a peut-être un truc à enclencher avant, donc... je sais pas. Il doit avoir peur de moi. Ça doit être ça. Ça va pas assez loin, ça. Waouh! Multiplicateur de vengeance max plus 0,4. Waouh! 200 000 balles. Et avec du troc. Ah bah je peux le prendre avec ça. C'est pas déconnant avec ça. Dans quel cas de figure ça me sert ça? Enfin, dans quel autre cas de figure surtout? Ça fait longtemps que j'ai pas fait de croissance là, let's go. Ah, une nouvelle compétence. 99% purée. Ça a l'air bien ça, avec carré. Ah, je sais dans quelle zone c'est, alors. Je chope des cristaux quand je fais ça. À quoi ça sert d'autre que le troc, les cristaux? Bon, la rage, c'est sympa, mais pas tout de suite. Ça, je verrai plus tard. Ouais, c'est dans cette zone-là. J'ai trouvé un accessoire qui transforme auto les cristaux en XP. Les levels vont plus vite d'un coup. Ouais, mais du coup, t'as pas peur d'être trop balèze. Ouais, du coup, je pense que je fais maintenant le truc. Comme ça, je sais que j'ai pas besoin de la revoir, elle. Et vu le up que ça représente, enfin 0,4 c'est pas non plus une dinguerie, mais c'est bien. Que je fasse vraiment la zone au peigne fin.
Peut-être au centre ici, je sais pas. C'est l'arc pensait que ça pouvait être vers le poisson lune, puisqu'après tout, ils les chassaient. Ils étaient chassés. Donc c'est pas déconnant. Ouais, t'as tout un tas d'accessoires absolument abusés. Bah, il y en a, tu les mets aussi à la toute fin. C'est les espèces de caps qui, en fonction de tel ou tel truc, t'obtiens des stats supplémentaires. Là, je trouve que c'est vraiment les meilleurs items. En gros, ça récompense le monster bashing, quoi. Commencer par là. Ah bah oui, il y a ça. Carrément que je commence par là. Speed up. Speed up. Temera no suki ni wa sase ne zo. Hontou ni yaru no ka ne? Essaye de compléter un peu. Merde, j'aurais dû les flinguer. Je crois qu'il me restait une tour. Ah, c'est parti de l'autre côté. Relou. Allez, tire mon gars. Ah, il veut pas. Niveau 10 cette fois. Ah,
Il y a 4 zones cette fois, ok. Sûr de pouvoir l'atteindre. Peut-être pas comme ça quoi. Allez, mets toi là. Alors c'est quoi les cadeaux? Tiens, un encens. Une carte au trésor, tiens aussi. Très bien ça. Elle est où? Elle est là. On va peut-être commencer par ça en fait. Hein. Comme j'ai un truc à côté, je termine. C'est une île d'ailleurs. J'arrive pas à lancer le truc là. Ouais, c'est très bien la conversation interrompue. On s'en fout de ce qu'ils ont à se dire. Hein. Je reconnais cet écusson. Quelle surprise, il provient de Britaille, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas du tout à revoir une telle chose un jour. Tu viens de Britaille, c'est ça? Oui. En effet, j'y ai grandi jusqu'à mes 8 ans. Cependant, tout va bien. Veuillez me pardonner, je suis simplement ému. Le climat y est très doux, ce qui est favorable aux cultures.
Les paysages sont vraiment à couper le souffle. J'ai grandi dans une zone très rurale. Mes rêves m'y transportent encore. Hein ? T'es encore attaché à ta terre natale ? Oui. J'ai l'impression de me remémorer des choses oubliées. Je ressens une sorte de connexion avec cet écusson de lion blanc. Merci infiniment, monsieur Adol. J'en prendrai grand soin. Ezer se comporte bizarrement, non ? Ouais, c'est vrai que t'es pas au courant de ce qui s'est passé. Venus du nord, les pirates normands se sont déchaînés. Dans la région de Britaille. Le village natal d'Ezer a été complètement rasé. C'est Danmer qui a fait ça. Mais beaucoup de normands, ils font encore des expéditions militaires. Alors que fait-il dans la marine de Balta ? Ce serait mieux de le demander directement. Tout ce que je sais, c'est qu'il est plus fort qu'il en a l'air. C'est un écuyer hors pair qui est toujours là pour les Balta. Pas besoin de se poser plus de questions, si ? Tu as raison. Merci. On est sur la même longueur d'onde. C'est un agent infiltré. C'est sûr. Ah, il y a un autre truc apparemment. C'est Karja qui a encore envie d'aller faire dodo. Ça va y avoir du monde. Hein. Bah alors, c'est où ? Ah. Au moins, t'es redevenu comme avant, c'est rassurant. Vous tombez pile poil comme d'hab, regardez ça. Ashley montre un drôle d'œuf moucheté à Adol et Karja. C'est un œuf de quoi, ça ? De tortue de mer. D'où tu sors un œuf de tortue de mer, toi ? Je comprends pas pourquoi ils ont mis les artworks des personnages que sur certains dialogues et pas tous. C'est dommage. C'est pas la question. Je vous la fais courte, je veux le remettre dans son nid. C'est quel genre de tortue de mer ? Une tortue qui va dans la mer. C'est un œuf de tortue ultramarine, on les reconnaît à leur carapace bleue. Même si j'en ai encore jamais vu. Vous voulez en voir une, c'est ça ? Je le sens venir. On peut pas abandonner cet œuf comme ça. Mais on peut le déposer dans une poêle, dans une zone de reproduction. T'avais qu'à pas y toucher ? Écoute, on peut t'aider, mais la tâche a pas l'air facile. Tu veux faire quoi, Adol ? On part chercher cet endroit ? Bah oui, ça donne un manuel rouge cyclone, ça a l'air bien ça. D'accord, mais à condition que ça ne nous pompe pas tout notre temps. C'est vrai ? J'ai vu un paquet de tortues de mer sur les bancs de sable de la baie de Spectrum. L'œuf aussi vient de cette région, c'est un bon point de départ. Alors on peut commencer par fouiller les bancs de sable. Super. Ashley a changé. Et pourquoi il est autant fasciné par les créatures marines ? Yes ! Yaruka ! Il y en a bien qui sont fascinés par les timbres. Ce serait juste là ? Ah non, c'est divers endroits en fait. Je vais peut-être faire juste l'île avant vu que je suis là. Elle a l'air minuscule en plus. L'île de l'été éternel. Ah, Alain, spécialiste des tortues ultramarines apparemment. Il y a des Griggers. Oh, c'est au-dessus ça. Regarde, il y a quelqu'un là-bas.
Vous tombez à pic, je vous attendais. Je veux être témoin de votre splendeur. Elle a l'air plutôt détendue. Ouais, je sais pas à quoi elle joue, peu importe, à l'attaque. À l'attaque. Et ça, je crois que j'ai fini en fait. C'est chiant, même. Je peux pas aller péter le cristal. Tout est rentré dans l'ordre. Le garçon aux cheveux rouges. T'as pas bougé d'un cheveu alors qu'on s'est battu à côté de toi? T'as des nerfs d'acier, ma parole. L'avenir n'a pas nécessité mon intervention. Il était inutile pour moi de me déplacer. Ma boule de cristal voit tout ce qui est visible. Mais toi, tu vois rien. Je veux voir. Tu gobes vraiment tout, toi. Tu viens de Karnak? J'ai l'impression de t'avoir vu en ville le jour de l'attaque. Je suis une simple nomade, comme beaucoup de gens. J'aimerais demander la permission de me joindre à votre équipage. Je souhaite voir où le vent vous mènera. Je risque de le regretter. Mais on peut pas te laisser ici. Viens, on va te faire visiter le bateau. On s'en fout, elle donne des trucs. Les prédictions. Utilise des cristaux de mana pour faire des prédictions et obtenir des perles de mana aléatoires. Ok. Pourquoi pas. Ah bah voilà, c'est très bien ça. Je crois que je vais le mettre à Adol du coup. Je sais plus ce que je voulais mettre. D'autres. Restaure des points de vie en restant immobile. Ouais, bof. Ah oui, change l'XP obtenu en cristaux de mana. Il y en a un qui fait l'inverse. Chaîne entre mana action et attaque standard. C'est très bien ça, en vérité. Ça, c'est pour plus de dégâts. En fonction des ennemis proches, évidemment. Je crois que ça se stack, les colliers qui donnent plus de maîtrise sur les compétences. Je suis pas absolument certain, mais il me semble que oui. Je préfère cette armure. Ouais, j'aurais dû mettre celui-là avant. Hein. Après, niveau XP, ça va. On est bien.